nothing else like her anywhere you go. A man, she's anything but calm. A regular pint-sized atom bomb. Atom bomb, baby, little atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be. A million times hotter than TNT. Et coucou YouTube, bienvenue au 118ème épisode du Stealth Project. On va donc aller à County Crossing. Alors attendez. D'abord on passe à County Crossing, ouais. Attends, je me suis pas planté là. Non, d'abord on passe à la station Oberland, ok. D'abord on passe à la station Oberland et ensuite on va à County Crossing. Avec pour objectif assez simple de récupérer les quêtes. On verra si on les fait ou non selon ce qu'ils nous demandent, selon où est-ce que c'est par rapport à nous. Et puis on avisera. Et coucou Will, comment ça va? Et coucou Uni également. Donc du coup on va faire ça. En fonction des quêtes, on les fera ou on ne les fera pas. En tout cas pas maintenant, si c'est trop loin ou quoi. L'objectif va vraiment être voilà, on s'est débarrassé un petit peu de l'aspect il faut sauver les colonies. Donc on va pouvoir éventuellement reprendre dans pas trop longtemps la trame principale, même si je vous cache pas que il y a l'aspect d'icône qui reste important, dans le sens où pour ma part j'aimerais me débarrasser d'icône avant de reprendre la trame principale. Et donc pour ça peut-être qu'on va faire ces quêtes, forcer un peu le truc. Et merci Will qui est un Bibouxel chasseur depuis 5 mois. Merci à toi Will pour ton resub. Et c'est Shabby qui a offert un sub à Will. Donc merci beaucoup à tous les deux. Et voilà, ça fait plaisir. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ça m'a fait flipper l'arrivée de Deacon en même temps que le message. J'espère que vous êtes là pour nous aider. Oui. Qu'est-ce qui vous arrive? Des super mutants sont venus il y a quelques merci jours. Beaucoup Shabby, coucou à toi. Ils n'étaient pas nombreux. Mais ils ont fait de gros dégâts avant qu'on réussisse. Oui, donc les super mutants. Un miracle que personne n'ait été tué. On a eu du mal à les repousser la première fois. Alors on aurait bien besoin que vous nous aidiez à nous défendre. Construire des défenses. Bon, Deacon a aimé, donc ça c'est nice. Est-ce qu'on peut pas mettre des tourelles carrément ici? Non. Je ne comprends pas ce bug, moi. Ça veut pas construire alors que j'ai les ressources nécessaires. Ah, mais... Bon, on va virer les grillages qui sont pétés. Voilà, bah je sais pas pourquoi ça fait ça. À produire deux de défense. Peut-être faudrait qu'il y ait quelqu'un ici pour l'aider. Ah mais il m'en faut plus. Ouais mais sauf qu'en fait plus ça va rien changer quoi. Genre t'es toute seule meuf. Il y a très peu d'emplacements en fait ici. Hein. On va lui en mettre d'autres, hein, mais. Ah, mais je sais ce qu'il faut faire, ok. C'est bon. En fait, ça, on s'en fout. On va juste du coup boire un coup parce qu'on a soif.
En vrai, les super mutants, ils vont arriver. Alors, j'ai pas vu les messages de la personne qui a été ban, mais c'est pas grave. Hein? Je vais t'arracher les tripes et en faire un collier. C'est l'heure de mériter notre salaire. Et merde. C'est un boulot payé, d'accord. Finalement, ça s'est bien passé. Pourquoi ça ne désaltère pas? C'est chelou de ouf. Elle vivre zéro du coup. Donc on va la remettre ici. Bien sûr. C'est pas croyable. On a gagné. On n'aurait jamais réussi sans vous. On n'oubliera jamais ce que les miliciens ont fait pour nous. Au final, la quête était assez easy. Échangeons des objets. Entendu. Et du coup... on est parti. Cette attaque manquait de Nukikaz. Ouais, on est assez d'accord. On est assez d'accord. J'aurais peut-être dû redormir avant de partir. Peut-être dormir ici. Hein. Est-ce que j'ai un lit ici? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, trésor? J'ai un lit. Ok, c'est nice. Faudrait qu'on repasse au réseau pour se soigner un jour. On va voir s'il a rien à me dire de nouveau, lui. Hey. Ouais. Salut. Vous savez, je regrette un peu de vous avoir donné mon code de rappel. Attendez. Non, pas encore. Tant mieux. Ne le lisez jamais, en fait. Ça m'aidera à dormir. Pour l'instant, rien de nouveau. Non, ce sera pas pour Hook Harrington, Jerry. Ah, il tirait sur les miliciens en plus. Tu parles de fils de pute. Ça, c'est de la conscience professionnelle.
Rien n'échappera à ma vigilance. Il y a plutôt intérêt. Bon, rompez. Au final, on était allé là ou pas? Bien qu'on y soit peut-être allé, ça a été réoccupé. Voilà comment. Pas le temps de s'ennuyer avec vous. Jambière droite en cuir sprint. Je crois que c'est... j'ai mieux mais... ouais j'ai ruse. Donc bah en fait nique quoi. Mais... pas mal, on va le donner à... au mister à côté de nous. Psst, pas de problème, je peux vous aider. Vous vous équipez ou vous vous débarrassez de votre matos? Jambière droite, il a dissimulation. Ah ouais, non, c'est. Ben non, ben du coup, non. Bon, on va la garder, on la stockera quelque part. Ah, oh, bien sûr que Deacon il approuve. Bon, allez. Trêve de baliverne. Bah ça dépend des fois. Ces tenues se génèrent et régénèrent aléatoirement, je crois. Mais les cheveux, de temps en temps il en a, des fois non, c'est comme il veut. C'est ouf. Bon, faut que je traverse là. Ah, je vais prendre. Ah mais ce pont là il est cassé. Bon, on va se démerder à traverser là. Hein. Mais j'avais sauté. Attends, mais elle est où cette putain de colonie? Elle est après West Everett. Oh putain. Bon, on va sauvegarder au chantier. J'ai pas les trucs. Ça. Ok. C'est toujours un peu d'XP. Hein. Alors Jerry qui rageait contre les champignons il y a deux jours. C'est pas là. T'en sens dès que je me suis pas mis dans le vrai lit. C'est classe ici quand même. Je sais pas, moi j'aime bien cet endroit. Ah bah si j'avais fait un vrai lit là, ok. Vous êtes con. Mais en vrai c'est drôle. Jerry qui est en forme ce soir, ça change. Quoi?
Là-bas, ça se fight. On sait qu'il y a des scorpions dans le coin. Donc méfiance. Ils sont revenus encore les super mutants ? Et salut Jill. En vrai, j'aurais tellement kiffé qu'on puisse faire une colonie ici. Et quand j'ai découvert la zone dans la première partie, j'étais vraiment en mode trop bien avoir une colonie. En fait, pas du tout. Et ça m'a grave déçu parce que je trouve que ça aurait été vraiment très très classe. Voilà, je suis prudent parce que je sais qu'il y a des scorpions ici. Il me semble que je suis déjà mort une fois ici. Bon, je sais que je suis mort aussi contre des robots, mais... Il me semble que je suis mort contre un scorpion pas très loin là. Donc bon. Parfait. J'avais plus envie de faire d'enfant. Ah bon? Je vais essayer de convaincre notre prochaine recrue que je suis le président Eden. Ça vous paraît jouable? Ouais. Et comment ça va, Jilip? Ouais. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ça fait extrêmement plaisir les radiations qui permettent de one shot les scorpions. Alors c'est pas un légendaire, c'est pas un scorpion empereur ou autre, mais on one shot les scorpions et ça c'est quand même grave cool. Et ça va très bien Jill. Mais c'est vrai Jerry, tu as raison. Le bruit de cette arme, c'est tellement cool. Bonjour. Ah, on a de gros ennuis. Vous pouvez sûrement nous aider. Je fais partie des miliciens. Qu'est-ce que je peux faire? Ce sont ces sales monstres, les super mutants. À chaque fois qu'ils passent dans le coin, on doit s'enfuir ou se cacher. Ils prennent tout ce qu'ils peuvent manger et détruisent le reste. Et s'ils nous prenaient par surprise, ils nous tueraient tous. On ne peut pas continuer comme ça. Je vous en prie, aidez-nous. Je vais m'occuper de ces super mutants. Je vous le promets. Tant mieux. On ne savait pas quoi faire. Fanny Hall ? Non, 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 il se fout de ma gueule. En fait, c'est pas si loin. Je voyais ça beaucoup plus loin. Ok, bon, ça va en fait, du coup. On va dormir avant d'y aller de toute façon. Il y a une voix de vieillard grave, grave, ouais. Par contre, il a pas un lit pour nous. Il me semblait qu'il y a un lit quelque part où je peux dormir. Sinon, je vais en construire un, mais bon.
Ce qui m'étonne, c'est de ne pas l'avoir déjà fait en fait. Il n'y avait pas un lit ici. Animal. En fait, il y a un matelas dehors. Okay. Bon, mais on va le faire ce truc, hein, parce que après tout, c'est pas très loin. Et que ça plaît à Deacon quand je fais ces quêtes-là. Donc de ce point de vue-là, bah, c'est cool en fait. Là l'objectif c'est vraiment vraiment de up le plus rapidement possible l'affinité avec Deacon, donc bah si ça doit passer par cette quête, ça passera par cette quête. Là je prends pas du tout le bon chemin. Avec mon perso dans ma première partie, je pouvais courir mais tout le temps. J'étais full endu. Pas au début, mais à partir du moment où j'étais full endu, je pouvais courir en permanent en fait. Plutôt pratique. Les changements d'armes sont longs parfois. Je pense pas, Jerry. C'est une belle histoire, mais... Bon, ça va être tendu, hein, des super mutants en intérieur, mais on va s'en sortir. Mais les super mutants en intérieur, c'est vrai que c'est pas... C'est pas foufou. Ah mais je confonds Final Hall et autre chose en fait. Final Hall c'est une zone de super mutants à la base. Ah voilà c'est ça, ok. Qui est d'ailleurs l'une des premières zones du jeu où on en voit, hein. Si je dis pas de bêtises. Ça remonte à loin.
chier ça. Y a quelque chose d'intéressant? J'ai une porte à déverrouiller. Pour que tu m'aimes bien, Deacon. Ouais. C'est l'heure de mourir. C'est vraiment un truc qu'on fait souvent. Gagner, je veux dire. Ah, putain. Quelque part. Je les respecte tellement pas en vrai. Hurle. Supplie-moi de t'épargner. Quoi? T'as déjà peur? C'est toujours un peu d'XP ça. Viens voir un peu par ici. Des anguilles, c'est un cadeau pour toi. Donc ça c'est un ascenseur. Regarde-moi frère, je suis super mutant. Je suis la mort. Je suis content pour toi et content pour moi. On est super mutants tous. Non non, tu ne comprends pas frère. Je suis différent. Tu t'es fait trouer la tête. Tu parles comme un fou. Un jour, je serai maître. Et je vous montrerai à tous. Tes oreilles. Tu m'entends? Je m'en fiche. Il est pas au mieux, hein, le chef des super mutants. Hein. Ou le non-chef, je sais pas. Quoi? Qui est là? J'ai le bras bousillé. Bah oui, Deacon, mais t'es con aussi, enfin. J'avais pas vu qu'il y avait ça, my bad. Un bruit? Oh, c'était rien. Quoi? J'entends quelque chose. C'est pas par là qu'on peut monter, hein. C'était quoi ça? On va monter par là-bas. Je suis Jerry, sois gentil. Joli. Par déduction. Ah ça aussi il aime bien Nicole. Là, ça va un peu trop loin. Ok, bon, faut que je trouve un accès pour monter moi. Assieds-toi, Deacon, bordel. Oui. N'essayez pas de fuir. Je vais vous identifier et m'assurer normal. La loi et l'ordre ont été rétablis. Il y a quelque chose là-bas. Hey, y a quelqu'un? Sors de ton trou. Je vais pas tarder à te trouver. Et je voulais me battre. Sans déconner. Voilà pourquoi on n'attire pas les touristes. Qui aurait envie de voir ce célèbre monument taché de sang? Besoin de nourriture.
quelqu'un ? Tu es. Merde, je voulais pas la prendre. C'est pas ça, Jerry, mais j'aimerais autant qu'on s'embrouille pas avec ce genre de personne. Tu sais ce que je veux dire? Après, c'est ton libre arbitre et ta propre opinion, tu vois, mais. Oula, non. Chose d'intéressant. À quoi ça va me servir ça? Échantillon de tissu organique. Attention à quoi? Vous m'avez appelé ? Échantillon de tissu organique. C'était un objet de quête, mais de quelle quête ? De commande ? Ah, je l'ai pas pris la première fois qu'on est venu. Santé des compagnons plus 10. Bon, bah, on s'en fout, mais c'est déjà ça. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Quelqu'un sait ce que c'est sur le chat ce truc ou pas du tout? Merci Ice pour tes 100 bits. Merci à toi bro. Bon ça je les tue parce que ça fait toujours de l'XP. Mais ouais non je sais pas. Je sais pas du tout à quoi ça peut servir. On verra bien. Mais au final c'est cool parce que... Bah... Regarde les quêtes en cours. Ouais, on va regarder. Ouais, mais bon, on va aller annoncer la bonne nouvelle à nos colons. Ensuite, on va retourner voir Preston pour valider deux quêtes d'un coup. Et puis, on verra où est-ce qu'il nous renvoie. Mais vu que là, Deacon, il aime beaucoup de choses pendant qu'on fait ses quêtes, je pense que c'est limite le mieux pour up la relation avec lui. Hein. En fait, je suis peut-être con parce que j'ai même pas vérifié si j'avais le perks ou pas, tu vois. Donc déjà, les quêtes. J'ai rien de tel. Faut vraiment que je fasse le tri dans tout ça. Là j'ai rien, donc ça va être tout en bas et accent aigu. Salut Ogi, salut à toi. C'est pour l'institut. Ah bon. Ah putain ouais ça y est, je vois ce que c'est, ok. Bien vu. Bien vu. Comment s'appelle la putain de compétence de Deacon?
on sait pas ce que c'est. Mais là c'est pas les trucs. Non mais je l'ai pas. Je l'ai pas. Ah ouais, c'est les quêtes farmables de bioscience, voilà, c'est ça. Mais vu que je les ai pas débloqués au final, ça me surprend. Mais ouais, attends. Est-ce qu'on passerait pas au RDR vite fait, hein, tant qu'on est là? Je pense qu'on va passer au R pour poser les trucs dans le coffre. Ça nous changera un peu. Enfin, ça nous changera. Ça nous allégera un peu. Nos maladies Ah mais ici c'est vrai qu'on peut pas dormir. C'est vrai qu'on ne peut pas dormir. Enfin on peut dormir mais 5 heures maxi quoi. Ça m'étonne d'avoir un truc comme ça ici alors qu'il me semblait avoir tout stocké dans le truc de cuisine. Dame la bricole prépare quelque chose. J'espère que ça finira mieux que la dernière fois. J'ai beaucoup de travail. Alors, à moins que... Soignez-moi, docteur. Expliquez-moi ce que... Je me suis fait tabasser. Ah, ça a l'air d'aller. Et voilà. L'affaire. Rien d'autre à signaler. À l'avenir. Ok. Du neuf. On a un paquet de synthétiques en jeu en stock. Allez lui rendre une petite visite. Quand vous êtes là-haut, partez du principe qu'on vous observe en permanence. Ok. La reconstruction est un long processus, mais on peut y arriver. Bon, personne n'a de quête de rien du tout, en fait. Pour l'instant. Bon, mais qui... Hein ? Merde. On quick save et on se casse. Putain, je suis KO. Complètement HS, moi. Faire les 4 épisodes ce soir, ça va être dur. Déjà 2, là, je suis au bout de ma vie. Je sais pas, j'arrive plus à me reposer. Voilà, je me confie. C'est le moment confiserie. Confiserie.
Je suis extrêmement drôle. Ah, je me fais beaucoup rire tout seul déjà. Et ça, c'est quand même pas mal. Du coup, en ce moment, j'arrive pas à me reposer du tout. Et genre, hier soir, par exemple, je me suis pas couché trop tard. Je suis allé au lit, il était même pas 2h. Et je me suis endormi avant 2h30. Et ce matin, bah, comme un connard, à 10h30, je me suis réveillé. Sans réveil, sans que la chienne m'embête ou n'aboie ou ne réclame ou quoi que ce soit. Juste, bah, j'ai commencé à me réveiller. Et c'est chiant. Parce que je le sens que je suis fatigué tous les soirs, que ce soit des streams Fallout, hier soir c'était Monster Hunter, avant-hier c'était Pokémon et tout. Tous les soirs en stream, je suis éclaté. Tous les matins, quand je me lève, je suis mort encore, tu vois. Mais j'arrive pas à dormir plus que ce que je ne dors le week-end. Et ça m'énerve, parce que je me mets pas de réveil, etc., tu vois. J'y peux plus. Et c'est déconfilé. Bon, désolé de vous avoir déconfilé, les bros. Putain, je voulais boire, mais l'écran de chargement était trop rapide. Voilà ce qui arrive. Quand on fait des patchs sur la vitesse des chargements. Je pense que ça s'entend, que ce soit sur le stream ou dans les VOD. Mon rythme de BPM, hein, donc les bâillements par minute, a totalement explosé ces derniers temps. Même bâillement par minute, en vrai, c'est un bail original. Jerry, sans trop spoil et sans. Voilà, en laissant planer le doute. À la quête du bateau, tu t'es allié à l'équipage éventuel du bateau ou à ceux qui veulent que le bateau foute le camp? En vrai, il y a plein de trucs, genre foot Preston au château, des trucs comme ça. C'est cool, c'est roleplay et tout, jusqu'à ce que tu joues en mode survie et que tu te dises, eh frère, c'est loin le château quand même. L'équipage, ils ont piqué ma curiosité. Ah, pareil. Pas de coup fourré, sinon je vous descends. Hey, ah oui, c'est le médecin. Ok, d'accord. Si vous n'avez pas encore vu Grey Garden, vous devriez aller y faire un tour. Ces super mutants ne vous dérangeront plus. Le finish était cool. Ouais. Bah allez, on n'a plus qu'à aller voir Preston. Voilà. Merci. Ah, Deacon a remis des cheveux. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on passe au RDR, il change de tenue en fait. J'ai mal aux pieds. Pourquoi je vais dans les radiations? C'est atomique comme champignon. Non, c'est malaisant ça aussi. Fais très attention toi. Mais... Qui es-tu? Bonjour. Vous aimez les chiens, ça se voit à votre tête. Le meilleur ami de l'homme, pas vrai? Ah oui, il voulait nous vendre un chien. Pourquoi la vendez-vous, cette chienne? Oh, c'est à contre-cœur. J'aime beaucoup les chiens, mais il faut bien vivre. Alors je les élève et je les vends. Quand je finis par en vendre un, je déprime pendant des semaines. Jusqu'à ce que j'ai un autre chiot et ça recommence. Est-ce qu'on l'enverrait pas Marché conclu. Vraiment? Vous avez bien réfléchi. C'est une chienne extra, hein, je dis pas. C'est juste que je veux la vendre à quelqu'un qui s'occupera. On va l'envoyer avec Canigou et on va avoir des chiens gratuits. Je prendrai bien soin d'elle. Faites-moi confiance. D'accord. Oh, c'est passé. Je ne pense pas que vous ayez l'intention de la manger ou je ne sais quoi. Vous voulez vraiment l'acheter, alors? Oui, je veux vraiment acheter votre chien. On va l'envoyer à Sanctuary. Vous avez ce qu'il faut pour l'accueillir, j'espère.
Ça fera l'affaire, j'imagine. Regarde, ma grande. C'est ton nouveau maître. Il va te donner une nouvelle maison. Allez, va. Sois une gentille fille, d'accord? Bye bye. Je dois partir. Vous prendrez bien soin d'elle, d'accord? Ok, bon ben voilà. Pauvre Jerry qui lui n'a pas eu la chance d'avoir un chien. C'est qui est assez salé à ce propos d'ailleurs. Hook le maintenant. Bah non, je l'ai acheté, Iris. Non, je pourrais hook le mec ou lui voler les sous que je lui ai donné. Mais je suis pas un FDP, tu vois, donc. Je vais pas le faire. Mais attends, je suis con, j'étais devant le pont. Mais quel bolos je fais parfois. Où est le pont? Putain, mais c'est... Ma vie, des fois, hein. La vie n'apprend rien. Chien pédé. Bonjour monsieur, quelle belle affaire ce chien. Salut. Vous avez intérêt à bien vous occuper. Ouais, t'inquiète pas vraiment. Bah, j'espère que tu feras bon usage du pognon. Quoi, emplacement? Ok, non, c'est la caravane. Non, je l'ai fait pour Jerry. Quand Jerry m'a raconté sa mésaventure, ça m'a touché. Je me suis dit, il faut que je fasse un truc. Ils sont revenus ici, les mecs, ou pas? Ouais. Excusez-moi. J'ai réparé de mes mains à peu près tout ce qu'il y a ici. Alors tout est garanti. Sauf si vous avez besoin de me rapporter quelque chose. D'accord, je vais jeter un coup d'œil. Tout est vendu en l'état. Donc ici, il y a du destructeur. Le blaster en effort spécial, c'est destructeur. Ah non, c'est autre chose, ok. C'est quand même armure de combat, ça. Et destructeur, c'est quoi? Armure de combat? Ok. Ça se complète ou c'est comment, toi, Jerry, qui a joué un peu comme ça? C'est vraiment deux stuff indépendants mais qui se basent sur le même mode. Enfin le même... Oui le même mode, le même modèle quoi. Allez l'icône, démerde-toi pour me suivre. Je vais le stuff du destructeur, c'est la merde de combat, c'est assez ouf. Ouais non, il est très bon le destructeur. Est-ce que c'est pas ma question en fait. La question c'est, est-ce que le destructeur et les forces spé sont deux stuff différents ou est-ce qu'ils se complètent mutuellement? Ou est-ce que la matmute elle assure? Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est. Mais là, je vais pas pouvoir passer moi. Là-bas, il y a un autre pont. Alors, ça va. La vie, Ticon Deroga n'apprend rien. Salut Adribos, alors pas de langue de SMS ici. Les règles vont être affichées. Et je t'invite à les respecter histoire d'être voilà, accepté au sein de la communauté. Et sur le stream. Mais sinon, bienvenue à toi. Je dirais qu'ils se complètent. Voilà, donc c'est ça, Jerry, ok. Oh putain! Il y avait un trou. Fais chier de merde! Et voilà, maintenant je suis tout irradié. Deacon va encore nous parler de ses burnes et tout ça.
Ah putain, c'est là-bas. Attends, c'est chiant. Hein. Pas d'icône à la limite. Je veux dire à tes potes qu'on sera là toute la semaine, saloperie. L'icône qui aggro comme ça au calme. Bon. Mais pourquoi j'ai de la merde dans les doigts? Vous récupérez un truc. Essuyez le sang. Merde, mais non! J'ai tout pris, putain. Pourquoi j'ai encore du calibre 38 sur moi, moi d'ailleurs? J'en ai pas besoin. Faudrait que je m'en débarrasse un jour. T'as pile 13k capsule. Ah ouais? Ouais, 13 000 capsules tout rond. Ouais, normalement je vais. Attends, au niveau de mes armes, j'ai rien jeté de. J'ai mes deux snipes, mes deux 10mm, le hook, la lame, ok, tout est bon. Non, merde, je voulais faire carré. Ok. C'est vrai que j'ai pile 13 000 capsules. Bah voilà. Bon, cet épisode va s'appeler « Putain, j'ai acheté un chien » alors que ça a duré 30 secondes. Non, je sais pas du tout comment l'appeler. Mais il y a moyen que... je sais pas. On verra. Les titres commencent à être difficiles pour les épisodes un peu à la con comme ça là. Quand on fait une quête, mais le nom de la quête, mais là c'est même pas des. Enfin, c'est des quêtes à la con quoi. C'est des quêtes répétables et tout. Oui, acheter avec des guillemets, on est d'accord. Le mec avait qu'à pas te refuser la vente du chien. Moi quand on refuse de vendre des trucs à mes potes, ça me vénère. Elle est là l'entrée, d'accord, elle est côté vraiment port quoi, ok. C'est quoi ton sniper? Alors j'ai un deux coups semi-auto radiation. Enfin radium quoi. Et un deux coups classique. Coup par coup. Donc les deux en culasse renforcée je crois. Bah attends, je vais te montrer. Puis on va faire un point arme. Non merde, c'est pas ça, c'est ça. Donc j'ai culasse puissante calibrée en semi-auto avec 170 de dégâts bruts, 50 de radiation en calibre 45. Donc tout en voilà silencieux, enfin tout en furtif quoi. Le plus furtif possible pour une arme de ce genre. Et j'ai un deux coups culasse 50 silencieux, enfin tout ce qu'il faut, qui est vraiment mon truc de burst quoi. Genre si je peux one tap, c'est avec ça, 232 de dégâts. Voilà, c'est assez insane. Mais en gros, si je sais que je peux pas one shot la cible, je vais plutôt partir sur l'autre. Voilà. Prenez soin de votre arme et elle prendra soin de vous. J'ai neutralisé les super mutants. Les habitants de la colonie sont soulagés de ne plus avoir à s'en inquiéter. C'est génial. Les civils n'ont aucune chance contre les super-mutants. Comme toujours, j'ai encore quelque chose pour vous. Je vais l'indiquer sur votre carte. Il faut rallier un maximum de soutien. Faites le maximum pour aider. On a écrasé le groupe de super-mutants. Ils ne sont pas prêts de s'en reprendre à une colonie. Tant mieux. Étape par étape, on fera du Commonwealth un endroit sûr pour ceux qui veulent vivre en paix.
Comme toujours, il y a un autre feu à éteindre. J'ai déjà combattu les artilleurs et quelque chose me dit qu'ils testaient juste nos défenses. Vous allez devoir aider ces gens. Comment t'as le sniper radiation? Je les loot. T'as un épisode sur ma chaîne YouTube où j'ai loot deux fusils à radiation deux coups dans le même épisode. Il me semble que c'est ça les bros. On a eu un coup par coup et un semi-auto en sniper radium dans le même épisode avec le bonus deux coups. Ça reste impressionnant, même maintenant. Alors, dans le même épisode ou dans la même soirée, je sais plus, mais c'était insane. C'était insane, ça doit être l'épisode 94 ou un truc comme ça. Mais c'était n'importe quoi. Je crois que c'est dans la même soirée, c'est sûr, dans le même épisode, je sais plus. Mais voilà. Donc tout mon stuff, je les loot. Les seuls trucs que j'ai acheté de mon stuff, c'est le compagnon des terres, désolé. Voilà, parce que bah en début de partie, avoir un bon 10 mm, ça me semblait important, donc je l'ai acheté. Sachant qu'en survie, c'est pas très facile. Et la chaîne t'a été mise dans le chat. La lame de Pikman, ok, c'est un stuff de quête. Donc voilà. Et en tenue, le seul truc que j'ai acheté, c'est le plastron des terres désolées. Mais tout le reste, je les loot. Et je les craft. Voilà. Et du coup, bah c'est pas mal du coup. Par contre, pourquoi j'ai pas dormi 8 heures moi? Qu'est-ce que je branle là exactement? Je suis plus fatigué aussi. Ah c'est bon, je suis plus fatigué. Ok, donc on va boire. Ok. Et bah ça fait quasi une heure tout pile qu'on est sur l'épisode. Bah c'est parfait. On va faire la pause maintenant. Faut qu'on bouffe un peu. Qu'est-ce qu'on a? Je me disais, est-ce qu'on planterait pas des carottes ici? On a aucune bouffe. Tu vois, c'est à fond perdu quelque part. Ah mais les fleurs de carottes sauvages ça... En fait faut que je les mette à l'établi. Ouais bon on verra plus tard mais je vais les mettre à l'établi. Tout ce qui est... voilà. Ça j'en ai pas besoin. Là on est bon. Ouais, là on est plutôt bon. Même les œufs de fin jeu en vrai je vais les stocker. Hein. Les œufs de fin jeu ils me servent à rien. Là on est bien. Ouais. Faut que je pense à utiliser mes poches de sang. Je le fais jamais quand je perds des HP. Et il faut vraiment que je pense à le faire. Du coup on va faire la petite pause là dessus. C'est la fin de cet épisode numéro 118 je crois pour YouTube. Donc je vous fais des bisous YouTube. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude hein, vous avez tous les liens dans la description. Si vous voulez venir voir ça en live, vous avez le lien vers ma chaîne Twitch. Si vous voulez savoir quand est-ce que je stream et ce que je stream, vous avez le lien vers le planning de mes streams. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez le lien vers Twitter et Facebook. Bizarre que cette ville ait été voilà. Et vous êtes déjà sur YouTube, donc vous avez les infos de YouTube finalement. Donc je vous fais des bisous, j'espère que l'épisode vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour continuer à bosser cette affinité avec Deacon. Il y a moyen qu'on fasse que ça pendant quelques épisodes parce que bah, j'ai vraiment envie de voilà d'avoir ce bonus de dégâts furtifs. Je vous fais des bisous YouTube, on verra comment ça progresse, mais très bientôt on prendra la trame principale de toute façon. Donc des bisous et à très bientôt YouTube, ciao.